Bobby, tu remarqueras que Natacha rit avant que tu aies commencé. Ça doit être ma tête, en fait. Non, non, Natacha, je me délecte par avance. Le seul moment de la semaine, parce que je la regarde sur LCI tous les jours, évidemment, le seul moment de la semaine que je vais rire de bon cœur, c'est quand tu es là. Non. Vas-y. Et on commence avec Emmanuel Macron, notre Apollon chéri, notre loulou, qui s'est d'abord rendu en Guyane, où il a été accueilli par des types en cagoule, alors qu'il faisait 29 degrés. Les mecs peuvent faire la parade Disney déguisée en plutôt en plein Sahara. Alors il vient au soleil, à la cool, se dorer la fraise. Résultat, il se retrouve face à des gens cagoulés et musclés qui veulent lui faire mal. Macron, c'est le seul à faire malgré lui des soirées SM. Alors dès son arrivée, il a joué à touche-touche avec un ami. Regardez, je t'ai touché, je te retouche. Ah, salaud, tu m'as eu, hein. Avant, il jouait à Chabit, mais Macron a peur de tomber pour harcèlement. Puis il a croisé Miss France, qui a interrompu sa tournée des foires au jambon avec la mère Tellier, pour poser avec lui. Il est beau, elle est belle. S'il nous sort un rôti du four, à 7 mois, le gosse bosserait pour l'agence Elite. Macron, croisant des jeunes, a repéré une odeur de cannabis. Il a la vie d'un chien renifleur des douanes. Il détecte les drogues. Il ne faut pas qu'il fasse la soirée des Césars parce qu'il va japper pendant 4 heures. Alors forcément, il était il y a encore 3 ans au lycée. Alors l'odeur de bœuf, il connaît. Il peut aussi sniffer une vodka pomme à 16 mètres et entendre une chanson de Boba 7 minutes avant qu'un ado clique dessus sur Spotify. Enfin, Macron a croisé Mimi Sicu, qu'on appelle maintenant 8Q, parce qu'avec le temps, il a un peu pris du bassin, en dépression depuis le succès d'un Indien dans la ville il y a 23 ans, à qui il a fait un câlin en lui disant « Si tu veux, je me suis fait des potes qui vendent du shit. » Ça pourrait te détendre. C'est beau. Ouais. Alors, Donald Trump, lui, a fêté Halloween, ce qui consiste pour lui à avoir peur autrement qu'en regardant sa coiffure dans la glace. Il a invité des enfants à la Maison Blanche à qui il a fait des remarques inappropriées. À une petite fille, c'est véridique, il a dit « Vas-y, prends un bon bec, t'as pas de problème de poids ». En fait, il est comme les gamins, il est 100% honnête. Le matin, Mélania lui dit « Bonjour ». Il répond « Ouais, bah lave-toi les dents, Maloute, tu sens de la gueule ». Il a donc, regardez, reçu 2 sorcières, une abeille et Batman, ce qui constitue l'équipe la plus crédible qu'il a depuis le début de son mandat. Puis le couple s'est posé devant sa maison entre 2 citrouilles. Pour les distinguer, les citrouilles, ce sont les légumes qui sont moins oranges que la tête de Trump. Ils ont croisé un dinosaure. Ça fait pareil chez nous quand on reçoit Alain Juppé à déjeuner. Trump a dit au petit qui était dedans, il est nul, ton costume va mourir. Un enfant est même venu déguisé en malade qui a souffert de la suppression des subventions de santé de l'administration Trump. La Maison Blanche avait été recouverte de toiles d'araignée. C'était beau, ça ressemblait au siège du MoDem de François Bayrou. Alors en Corée du Nord, Kim Jong-un a visité l'usine de cosmétiques qui produit le parfum Kim Jong-un, le seul autorisé. C'est l'odeur de sa transpiration qu'ils ont mis en spray. Alors Macron peut le renifler depuis la Corée du Sud. Alors devant la chaîne de fabrication, regardez, il a ri. Devant les vitrines, il a ri. Kim Jong-un, le parfum, ça l'amuse. L'emmener chez Sephora, c'est comme de le planter 7 jours devant un sketch de Tex. Theresa May, elle, a reçu Bill Clinton, la star du X des années 90. Elle n'avait pas mis de bois dans la cheminée parce que l'hôte a le corps à 49, donc il sert de convecteur. Il lui a dit, allez où, tu me retires cette housse de couette et on fait l'amour. Vladimir Poutine, tout rigide, avec une main sur son bureau, a reçu un collègue, puis regardez, une dame exactement dans la même position. En fait, il est mort, il a été empaillé, et à chaque rendez-vous, on l'emmène avec un transpalette, parce que là, à côté, Bouteflika, c'est le mondial de la salsa. À un moment, événement, il a posé son autre main sur le bureau. Enfin, sa présidence, c'est comme un épisode de Derrick passé au ralenti. Retour en France, chez nous, avec Bruno Le Maire, BLM, qui a visité l'usine Alstom de Belfort et a gâché son physique de beau quadra poivre et sel en enfilant une casquette, ce qui lui va aussi bien que le string en bonbon à Gérard Larcher. Puis il a dit à Jean-Paul, un ouvrier, « Tu vois, je suis comme toi, j'ai la casquette. Moi aussi, je gagne un SMIC, enfin, tous les 3 jours. Et s'il y avait eu quelqu'un pour se saisir du gobelet et me le servir, je me serais bien fait un café à la machine. » Puis le maire est monté dans la loco d'un TGV à l'arrêt, parce que sinon dans cette position il se serait pris 30 pigeons en 400 mètres.
Macron en Guyane a lui aussi porté une casquette avec, regardez derrière, Darmanin qui a 7 ans. On aurait dit un centre aéré en sortie éducative. Ensuite, ils ont fait une pause pour le goûter. On a plus vu de casquettes cette semaine en politique que dans toute l'histoire du hip-hop. Enfin, Paris Match nous a parlé de la nouvelle vie du couple Hollande-Gaillet. Alors, ils sont heureux, ils font des soirées. Hollande raconte son quinquennat, donc Gaillet se marre. Alors, cet été, ils ont nagé côte à côte dans la Méditerranée. À un moment, Hollande est parti un peu trop loin. Les gardes-côtes italiens l'ont pris pour un migrant et l'ont renvoyé en Libye, l'agence bancaire de Nicolas Sarkozy. Julie nous dit match, s'est couverte de crème solaire et en a mis sur François. Leur été, c'était chaud. Elle a inversé sa courbe avec les doigts. Nous, on a attendu ça 5 ans. Puis le soir, ils buvaient du rosé. Enfin, c'était le film La Piscine, mais sans Delon et avec Hollande, donc le pédiluve. À tout à l'heure pour le retour. Et on recommence avec Jean-Luc Mélenchon, le leader bougon, qui est allé à Athènes pour le lancement d'un parti politique semblable au sien. Pour l'instant, la Grèce insoumise, c'était juste le nom d'une soirée pour adultes qui a lieu en août à Mykonos. Alors, il a d'abord visité l'Institut français. Il est monté sur le toit et a craché sur les riches en bas qui étaient sapés en Chanel en criant « Tant pis pour vous, vous prenez pour Macron ». Puis, il a fait le trottoir avec le député insoumis Bastien Lachaud, l'antithèse du gaufret. À eux deux, ils ont récolté 3,20€ plus un ticket resto. C'est la crise là-bas. Ensuite, Mélenchon est arrivé à la soirée. Salut, voilà, bonjour, je te fais la bise, ma petite feta. Voilà, salut vieux, allez, on s'embrasse. Comme dans le showbiz, c'est Raquel Garrido qui m'a appris. Salut, bonjour, Calimera. Non, vous êtes journaliste. Allez crever, bande de bâtards. Voilà, bonjour, bonjour, salut, toi, t'as pas de carte de presse, bonjour. Puis Mélenchon est apparu, l'air sévère, avec le poing fermé. Si dans un club un peu hot, un monsieur fait ça, il faut partir si vous tenez à votre intégrité physique. Ensuite est apparu sur écran géant le visage de la personne qu'il aime le plus, celle de droite. Et ça l'a reboosté. Enfin, a parlé la Mélenchon locale, Zoé Constantopoulou, la dame qui, à cause de son nom, ne peut pas cacher qu'elle est grecque. Même dans un sushi bar, on lui sert de la moussaka. De son côté, le président Macron a fait de la mise en scène. Il va finir par avoir son étoile à Hollywood. Il s'est fait filmer en train de signer une loi avec Collomb et Castaner, les plics et plocs du Centre Mou, qui étaient là en tant que figurants. Ils font leurs heures d'intermittent, tout va bien. Puis, il s'est fait filmer arrivant à l'Opéra de Strasbourg, où il a été applaudi par les riches, qui, grâce à la baisse de l'IFF, vont pouvoir se faire par an 2 Carmen en plus, 3 Rigoletto et les Noces de Figaro, mais à Dubaï. Alors Bruno Le Maire, Édouard Philippe et leurs 2 enfants, Darmanin et Griveaux, se sont eux fait filmer en train de marcher à Paris. Pas le choix, Anne Hidalgo a bloqué la ville, donc c'était soit ça, soit arriver à l'Assemblée à Pâques. À Paris, on voit des types en pleine attaque cardiaque ramper vers l'hôpital en criant « ça va toujours plus vite qu'avec un Uber !» Benjamin Griveaux, justement, secrétaire d'État à l'économie, a croisé cette semaine Pepper, un robot humanoïde capable de reconnaître certaines émotions. Quand il voit Loana, il lui dit « bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller ». Quand il voit Ribéry, il fait une erreur 404. Pepper évolue dans un monde de stars. Il a déjà rencontré le footeux Atem Ben Arfa, qui lui a dit « des comme toi, mais je peux m'en payer 14 000 avec un seul salaire mensuel ». Il a été embauché par le maire du 15e arrondissement de Paris, qui a remplacé Jacqueline, la dame de l'accueil, par le robot, parce que lui ne fait pas de pause clope. S'il se met à fumer, c'est un court-circuit, il faut se tailler en courant. Il a croisé Alex Good, animateur télé, qui l'a tripoté comme un malade. Pepper l'a dénoncé sur Twitter sous le hashtag « balance ton port USB ». Il a même fait Halloween. Regardez. Il est aussi mignon qu'un gosse. Et lui, il ne réclame pas de bonbons. Alors plutôt qu'une GPA qui coûte un bras et oblige à aller au stade chercher un bébé qui se fait dessus, prenez un robot. Pierre Gattaz, le boss du MEDEF, a lui aussi rencontré un robot. L'être idéal, selon lui, charge salariale 0€, jamais malade, tombe pas enceinte, boss H24. Il l'a épousé ce week-end à Las Vegas en se disant « jamais je pourrais trouver mieux ». Il a aussi croisé, c'est véridique, un inventeur de baskets connectées. Les baskets vous envoient un SMS dès que vous commencez à appuyer des pieds. En fait, Gattaz, c'est Marty McFly. Il vit dans le futur.
Florence Parly, ministre des Armées, s'est-elle rendue à Abu Dhabi, où elle a rencontré le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hein, que pour faire plus simple, elle a appelé gros. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est allée en Suisse, la patrie des joueurs de tennis français, où elle a visité une usine de bois, la matière officielle de la politique, puisqu'on y sculpte les langues. Laura Flessel, ministre des Sports, s'est rendue en Chine, hein, ils voyagent tous, où elle a visité le décathlon de Shanghai. C'est la seule à se taper 11h30 d'avion pour avoir la même vie pourrie que nous le samedi après-midi. Là, elle est à Jakarta, elle bouffe un croissant aux amandes à la brioche dorée. Manuel Valls, lui, a posé dans la presse la main sur le tourneur Fraser, dans la même position qu'un portrait de lui qu'avait peint son père. Hein, heureusement que ce n'est pas un descendant de Gustave Courbet qui a peint l'origine du monde, parce qu'il aurait posé les jambes écartées et non épilées. On l'aurait appelé le Yorkshire. Alors à droite, Laurent Wauquiez continue à séduire son cœur de cible, les vieux, hein, parce qu'il n'y a plus qu'eux qui votent. Donc oui, il a fait un câlin à chacun de ses futurs électeurs. « Ah, mon Francis, tu sais que Macron, il promet la retraite à 134 ans, vote pour moi !» Puis il a chanté devant plein de petites bouteilles d'eau « Quand Maud Fontenoy mourra, c'est à ça que ressemblera son enterrement !» Virginie Calmels, elle, qui est une amie de Laurent Wauquiez, a parlé devant le décor le moins sobre du monde à faire passer un mariage tunisien pour un week-end en Pologne. Alors sa tête est à droite du zizi du bébé tout potelé. Or, ce qu'on a derrière soi, c'est important. Exemple, Florian Philippot, cette semaine, a parlé sous le kiki d'un gros bœuf. Hein, bah, tout ce qu'il a dit paraissait lourd, du coup. Boris Vallot, le dernier socialiste, a causé avec derrière lui les tronches de Hollande Royal et Hamon, les trois losers qui ont raté l'Elysée, dont un qui pourtant était dedans. Impossible d'être crédible. C'est important ce qu'on a derrière. Moi, j'ai ce public, donc ça va, ça va, ça va. Cette semaine, on a encore parlé agression sexuelle. Kevin Spacey a été accusé, entre autres, d'avoir abusé d'un pré-ado il y a 30 ans. Résultat, House of Cards saute. Hein, si on apprend que Mimi Mati a caressé le chien Rex, mais il n'y aura plus de série. Tariq Ramadan, l'équivalent musulman d'Olivier Lejeune, eh bien, tombe lui aussi. Et Marie-Noëlle Lindemann, anglais, socialiste, veut redéfinir la barrière entre séduction et harcèlement. C'est pourtant simple. Exemple, séduction. Bonsoir Thierry, je vous trouve magnifique ce soir, là je vous va bien, il en va de vous comme du bon vin, vous vous bonifiez. Harcèlement, salut mon loup, tu me files ton 06, c'est pas pour moi, c'est pour Gisbert, vous êtes de la même année. Il y a quoi sous ton t-shirt noir bébé, tu me montres hein? Allez mais bouge-le ton boule, fais pas ton allumeur. Voilà, voilà, voilà. Donc, non, non, mais... Ici, nous sommes juste séduction. C'est ce que nous devons tous être. Enfin, c'est important. C'est vivre ensemble, comme tu dis, Gisbert. Enfin, Houssine, djihadiste français capturé à Raqqa, a envie, nous dit TF1, d'une seconde chance en France. Ah oui. Hein, pourquoi pas, Louis Bertignac avec le même look qu'il a fait The Voice. Alors, je ne vais pas répondre ce que j'en pense à Houssine, parce que là, je ne serai plus dans la séduction. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Bravo. Salut les terriens. C'était Tanguy Passion. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur C8.fr. Bravo.